Hey, salut tout le monde, on se retrouve pour un nouveau live, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais nickel. Bon bah vous devinez la musique hein, comme d'habitude, c'est un peu notre rituel. On se retrouve pour un nouveau live. Bah, je parle pour la rediff, donc pour ceux qui regardent la rediff, sur une nouvelle rediff pour le nouvel épisode, l'épisode 5 de Pokémon Infinite Fusion, randomisé et en mode Nuzlocke. Oui, ça fait beaucoup de trucs comme d'habitude. Pour ceux qui n'ont pas vu les prochains épisodes, vous pouvez soit les voir, soit continuer. Parce que de toute manière, là, dans cette game, dans ce live, on va reprendre un nouveau. Bah, c'est quand même une nouvelle aventure. Bah oui. Parce que la dernière fois, pour ceux qui avaient vu, on a tout perdu. Donc on doit reprendre. En plus, la dernière fois, pour ceux qui avaient vu, ça avait coupé assez brutement. C'est parce qu'en fin de compte, mon ordinateur a crash. J'ai relancé un live qui a duré littéralement 100 minutes et ça recrash. Ça m'a un peu énervé, par contre c'est quand j'ai mis en mode vas-y, ça sert à rien que je m'acharne, je vais laisser ça comme ça. Donc voilà. Donc la dernière fois, le live de 100 minutes, j'avais relancé une game, sauf qu'au final ça crash durant le jeu. Donc au final, j'ai même pas pu savoir si je gagnais ou pas. Donc cette game là, je la compte pas. Donc d'ailleurs, je le republierai pas sur YouTube. Par contre, je republierai le live de 25 minutes la dernière fois, parce que même si 25 minutes c'est pas beaucoup, n'empêche qu'il y a eu pas mal de choses qui s'est passé, dont la game 3 qui s'est terminée parce qu'on avait tout perdu. Et en plus j'ai fait une game 4 que j'ai perdu dès le début parce que mon starter est mort dès le premier duel. Car oui, je rappelle, si le premier duel je perds, ça compte aussi. Et oui, parce que beaucoup de gens disent qu'à partir du moment qu'on n'a pas de Pokéball, le jeu ne commence pas. Donc ça veut dire qu'on peut pas perdre en Nuzlocke. Moi, à partir du moment que je lance le jeu, si un de mes Pokémon meurt, c'est fini pour lui. Dès le début. Le seul truc par contre, c'est pour attraper les Pokémon, même si je tombe sur un Pokémon dès le début et que j'ai pas de Pokéball, là ça compte pas, certes. Mais par contre, en termes de mort, ça compte dès le début. Ce qui complexifie vachement le jeu. Bon, en tout cas, on va pouvoir tout de suite commencer la partie, je pense, hein. On va pouvoir recommencer. Donc, je n'ai pas du tout vu quels sont les Pokémon, les trois Pokémon qui me sont proposés. Donc, j'espère que ce sera des bons Pokémon et que je ne vais pas mourir dès le premier duel. Du coup, il faut que je pense aussi, c'est ce que j'ai pas pensé la fois. À prendre des trucs qui vont le Pokémon qui va me permettre de pouvoir être sûr de battre l'autre. Bon. Par exemple, pas Mudja, par exemple. Parce qu'on rappelle, Mudja a un PV. Alors, il peut être assez fort s'il est très bien joué. Je dis pas. Mais dès le début, je vais me faire. Attends, mais je pense que c'est le terme. Donc, Mudja. L'avantage, c'est que si c'est une fusion des deux et que le Mudja se retrouve avec un PV, alors. Bon, si je me retrouve avec un type qui peut pas le toucher, ça me mettra un peu. Sauf que je sais plus. Ok, pas terrible, j'aime pas trop. Mais bon, on va voir c'est quoi le dernier. Oh mon dieu, j'ai vraiment des. Bah franchement, je pense que le celui qui me paraît le mieux, c'est pas lui, mais c'est l'autre avant. Alors, tac. Allez, on va prendre lui, hein. Donc je me retrouverai contre un type eau insecte en mode. En mode Mudja, mais bon. Bon, j'ai pas un départ de fou, mais c'est pas non plus un Pokémon nul à chier. Ça dépendra aussi avec quoi j'ai le mix au final. Non, j'ai pas besoin de le rename. Parce qu'à tout moment, la partie se termine très vite. Bon. Je sais pas s'il y a un moyen de fuir le premier fight, mais je pense pas. Non, c'est foutu. Bon. J'espère pas qu'on passe à la game 6 au bout de 5 minutes de live. Ça serait plutôt agréable. Wow! Par contre, il est grave stylé de fou! C'est une dingue. Ok, Hydro Punch. Je sais plus s'il y a une touche qui me permet de voir les détails. Vas-y, je sais ça. Oh non, il met tout aussi. Oh non, il y a plus de tout aussi. Ok, nickel. Je fais beaucoup de dégâts, mais si je suis pas étourdi, ça le fait. Faut pas que je sois étourdi. Si je suis étourdi, c'est la fin. Bon bah, vous venez d'assister à la game 5 qui était mouvementée, dis donc. Bah, on passe. Je vous propose de passer à la game. À la game 6. Hein. J'ai envie de crever. Bon bah. Vous voyez que. Alors après. En vrai, si je t'aurais commencé comme ça,
genre les premières games, genre la game 1 et 2, j'aurais autorisé de continuer quand même, même si je perds le premier fight. Mais la game 1, 2 et 3 et 4, non, la 4 je l'ai perdu direct, mais oui, la game 1, 2 et 3 je les ai gagnés en fait, les premiers duels. Donc pour moi ça me paraissait grave faisable. Et là ça fait deux fois d'affilée que je perds. C'est pas grave, c'est pas grave. Non, non, on sauvegarde pas, pas besoin. Allez. C'est reparti pour un... pour la Steel des Games. Enfin, j'espère pas que ça live dure aussi 5 minutes. En plus ça aurait grave été faisable si j'aurais été plus rapide. J'aurais dû faire d'autres attaques ténèbres. Je l'ai pas fait, je ne l'ai pas fait et par conséquence me voilà dans cette situation actuelle. Donc hop hop. Et game 6, non pas 5, 6 j'ai dit. Nickel. Alors. Tac, tac. Oh j'explique plus hein. J'ai fait tellement fois là que là je rush. Genre ça, il faut aller voir les épisodes d'avant pour quand je dis ce que je choisis et pourquoi. Je spam pas du tout. Hein, je... normal, oui. Mais c'est normal, c'est ça pire. Et j'ai fait un sauvegarde sur le E, je crois, si je ne me trompe pas. Ok, bon, allez, on recommence, c'est pas grave, c'était un faux départ. Ça arrive, ça arrive. Ok. Ok, c'est pas... c'est pas un mauvais Pokémon. Oh! Ok, ok, j'aime bien ce Pokémon en vrai. Donc moi ça me va si je l'ai. Après j'ai peur pour le premier duel. En fait il faut que je pense à ça, c'est ça qui est horrible. Ok, nul à chier. Bon bah lui je le prends pas. On fait pas d'erreur en disant yes s'il te plaît. Donc je vais prendre lui. Sauf qu'en vrai j'ai l'impression que... lui va me permettre. C'est pas lui qui va me permettre de gagner le premier duel, mais. Vas-y, je prends le risque. Non, pas de. Pas de surnom. Voilà, là où t'as un mix. Voilà, t'as un mix. Attendez. Tac, attendez. Je fais pause mouchage. A tout de suite. Ok, bon c'est bon, je suis mouché, tout va bien. Et c'est reparti bah, pour le duel, j'ai envie de dire. Hop. Bon allez, là, on gagne. Alors moi que je prenne une table des types à côté. En fait les problèmes c'est aussi des attaques, mais ils sont malgré un peu mal. Déjà en français, c'est en oh, la tête par contre, c'est horrible. Sonic Boom. Sonic Boom ça te... oui, voilà. Donc, voilà. C'est une boucle que je perds. Ok, super. Je suis trop content. Ok, incroyable. On a que des attaques actuellement. D'habitude, je remplace par les attaques. On a deux attaques en... je sais pas si c'est un Pokémon physique ou spécial. Mais après, ça dépend aussi avec le Pokémon que je mixe, en fait, j'ai envie de dire. J'ai envie de dire. Demain, on... c'est le même type. Le but c'est qu'on gagne des attaques, on va dire, de plusieurs types différents, ce qui me permet d'être polyvalent en fonction des situations. Bon, là il faut que je retrouve l'autre ville pour pouvoir activer le truc des DNA qui permet de mixer, pour ensuite revenir à l'intérieur de mes premières Pokéball. Donc pour l'instant... ok. Pour l'instant... oui, lui il me donne des potions d'ailleurs. C'est vrai que je n'ai jamais utilisé potion pendant les duels, il faut vraiment que je pense à utiliser ça. C'est peut-être une de mes erreurs et des choses que je peux me reprocher. Et qui peut aussi expliquer mes défaites, hein, j'ai envie de dire. Ok, on va commencer à avoir les premiers Pokémon de la zone. Ok, ok, ok. Pour l'instant, ça va. Oh, pour l'instant, je fais pas de duel. Oh merde. Ouf. Lui, il peut avoir un courage. Ça me fait très peur. Lui il peut avoir Dracorage, ce qui m'effraie au plus grand. Vraiment ça m'effraie vraiment beaucoup. Parce que si, rappelez-vous Dracorage qui a causé je crois
la fin de mes deux premières games, enfin, de mes trois, je sais plus. Donc, comment vous dire que voilà. Donc, maintenant j'ai parlé à lui, je vais pouvoir revenir en arrière pour pouvoir choper mes premières Pokéballs. Bon, là, je vais être obligé de passer par là. Oh, forcément. Ah, quel Pokémon là qu'on a, il est plutôt fort. Là, c'est cool avec Sonic Boom en plus. Franchement, à l'aise. Super, merci pour les Pokéballs. Allez hop, au revoir. Ouais, je. Voilà, je vais être sûr d'être vrai parce que des fois on peut les parler vraiment plusieurs fois. Ok, deux Pokéballs, super réel, je sais qu'il me donne rien. Ok, je vais juste aller voir. Sur mon Pokémon. Tac. Sur les attaques. Donc on a Sonic Boom. En fait on sait pas c'est quoi. Attendez. Traducteur. Merci. Oui je ça a toujours pas changé depuis le début. Hein. Je suis toujours aussi nul en anglais. On ne change pas les bonnes habitudes. Ah, si on peut passer une bonne habitude. Alors, la cible est touchée par une onde de choc destructrice qui inflige toujours 20 PV de dégâts. Ah bah là, c'était pas 20 PV de dégâts si. Ah si, 20 HP, ok. Ok. Du coup oui, en gros c'est fort parce que là je suis au bas niveau mais sinon ok. Ouais c'est un 60. Attends, pourquoi il y a un power 60 mais il n'y a pas de pourcentage de... C'est une dinguerie comment je vais devoir utiliser le traducteur pour toutes ces attaques. L'utilisateur se rapproche de l'ennemi de manière désarmante, puis lui lance un coup de poing. Il frappe sans faute. Ok, donc c'est un coup de poing, il y a 100% de chance. Alors pourquoi ils m'ont pas mis 100% de chance, c'est une dinguerie ça. J'aurais pas dû... J'aurais pas dû enlever mon traducteur parce que j'ai oublié que c'est pas quand même vraiment que des attaques... L'utilisateur subit... les attaques pendant 2 tours puis riposte pour causer le double des dégâts subis. Ah ouais, en fait ça c'est ouais, je me rappelle, je l'avais sur un autre Pokémon une fois. Ouais, c'est un truc assez fort, mais faut que ça soit un Pokémon tanky qu'il est en fait. Parce que si le Pokémon n'est pas tanky, comment vous dire que c'est foutu quoi. Et donc là l'utilisateur frappe tout ce qui l'entoure en piétinant le sol, cela réduit la vitesse du Pokémon touché. Ah ça c'est bien. D'une 60 c'est pas mal de puissance. 100%. Et en plus ça ralentit. Une bonne attaque. Une bonne attaque. Donc maintenant j'ai mes premières Pokéballs. Donc le Pokémon suivant que je vais croiser va être le mixte. Je suis plutôt content que ça soit lui. Sauf que je pense que je n'ai aucune attaque qui me permet de descendre sa vie. Je ne sais pas. Je ne sais pas quoi faire. Je pense que je vais tenter une Pokéball. Ouais mais jamais ça. Bah je vais tenter une Pokéball. Il a Dracorage. Je l'avais dit, qu'est-ce que j'avais dit? Je parie qu'il a Dracorage. Je parie qu'il a Dracorage. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous donne en mille. Il avait Dracorage. Voilà, voilà. Bon, bah, on va recommencer une nouvelle game. C'est une dinguerie comment j'ai pas de chance. Mon dieu. Yes. J'avais pas besoin de se regarder. Attendez, bah, il faut que je modifie parce qu'on est à la game 7. Je vais jamais. Imaginez, on est au début. Alors, il faut mieux perdre au début, j'ai envie de vous dire qu'au bout de plusieurs heures de gameplay. Certes. Mais ça va être très compliqué le défi que je me lance là. Parce que là, il faut que je finisse le jeu. Hein. Après, j'ai envie de dire, à partir du moment que t'as des Pokémon d'avance, ça devient un peu plus simple parce que t'as le droit à l'erreur. Là, en fait, le problème, c'est que j'avais un seul Pokémon, j'ai pas le droit à l'erreur. C'est ça la problématique que j'ai eu. Que j'ai eu, quoi.
C'est une dinguerie, comment ça va être compliqué. Non, non, non. Merci. Jamais je m'appelle Red. Game, et là on est à la 7ème. Oh, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Vraiment, je crois savoir pourquoi la dernière fois mon PC était crashé. En fait, le fait de constamment reprendre et arrêter. Vraiment, c'est une dinguerie. Bon, allez. En fait, c'est le dracorage. Le dracorage, c'est une dinguerie. Comment ça me pète tout. Et je sais que pour avoir vu des jeux en aléatoire, parce que tu trouves pas de Pokémon dracorage dès le début du jeu, c'était pas en aléatoire. Mais c'est le pire ennemi en fait de ce mode de jeu. Et je confirme. Je confirme parce que ça doit être la 3 à voire 4ème game que j'ai perdu à cause de Dracorage. Hein. Voilà. Et les autres games, c'était le premier combat. Aïe 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 aïe. Bon bah allez. Hein. Je vais up. On aura fait déjà. Ce sera déjà le début de notre troisième game, déjà au bout de 17 minutes de live. Hein. C'est une dinguerie. Mon dieu. Allez. Ok, Steadix. Ok. Un mauvais Pokémon. Jamais. Jamais je le prends parce que, en soi, j'aime vraiment bien son évolution. Mais le problème est clair. Jamais je ne bats un Steadix avec ça. Jamais. Oh! Je le prends direct. Je le prends direct. J'ai eu peur, j'ai cru que je t'avais recrash. Ah, j'allais pleurer. Non, je n'ai pas besoin de son. On va avoir un mythe. Voilà, mixé du Pokémon. Ça s'appelle le DNA. Allez! Espérons que je ne meurs pas dès le premier duel. Bon, à mon avis, ça va être très joli comme. C'est une blague, hein, c'est ironique. Ça va être très spécial comme mix, en vrai. Voilà, c'est ce que j'ai dit, c'est très spécial. Putain, mais il est énorme, hein, mon. Vous l'aurez pas sinon. Allez. Ok, il me fait pas beaucoup de dégâts, mais je vais devoir tenter une autre attaque. Toujours pas de dégâts, et lui se booste. Ça défonce, ok, ça. Ok. Je teste toutes les attaques. Hein. Ok. Bon, bah, je pense que c'est cette attaque qui est la meilleure. Donc, comme j'ai descendu un peu toute sorte de ses stats, ça devrait le faire. Enfin, s'il me fait une autre attaque. Allez, stop les coups critiques. Oh non! Ah, oh, c'est short de fou cette dinguerie. Si je rate, ok. Je crois que de toute façon c'est une attaque à 100%. Ouh. On l'a échappé belle. On l'a vraiment échappé belle par contre. On aurait pu perdre. Ok, donc il a deux attaques, dont deux trucs qui permettent de descendre des spells. Ouais, y a moyen de me soigner mon frérot. Ok. Allez. On est super lent parce que je n'ai pas activé le mode Wapid. Hop. Ok, alors qu'est-ce qu'il y a dans la zone? Ah, des trucs avec des dracorages, s'il vous plaît, même si c'est fort, je veux un autre shop. Ok. Je ne saurais pas dire mon avis sur ce Pokémon. Ok. Ça me ferait chier en vrai de le mix avec le Pokémon que j'ai actuellement en fait. Ok, j'entends jouer, donc il veut vraiment pas me montrer c'est quoi les autres Pokémon de la zone en fait. Vas-y, montre-moi, j'ai envie de savoir ce qu'il existe. Hein.
en fait, c'est par là. Super, le mec, ça fait 7 fois que tu reprends le truc, logiquement, tu sais quoi où aller. Hein. Ah bah ça, c'est sûr que je vais connaître le début par cœur. Ok, bon, allez, hop. Bon, je crois que j'ai même pas pris de dégâts, en fait, alors donc ça sert strictement à rien ce que je fais, mais c'est pas grave. Super, et là, on revient en arrière. Pour chercher les Pokéballs, et ensuite on va attraper un magnifique cerf. Et là, je tombe qu'on prend un truc Dracorage, parce qu'en vrai, je pourrais fuir. Si un truc Dracorage, je pourrais me dire, tu vois. Je fuis. Mais bon. Wow. Salut. Salut, salut, Maxence. Tu vas bien? Mais en tout cas, ouais, j'ai trop peur de. Je peux pas fuir en fait un combat si je dois le choper le Pokémon, parce que bah, sinon, je me retrouve sans mix pour mon Pokémon de départ en fait. Et j'ai pas le droit de battre avec un Pokémon de départ. Oui, et toi, fan de Pokémon? Bah, moi ça va super. Ouais, ouais, moi je suis. Un peu un rêve de gosse qui a pas eu des Pokémon, des jeux Pokémon quand il était petit. Et qui reste son rêve hein, maintenant. Oui, voilà. Et donc je fais le défi de finir le jeu en random et en Nuzlocke. Espérons que j'y arrive. Parce que vraiment, je suis vraiment à ma 7ème game. Donc, parce que je tombe que sur des Dracorages qui me one shot. C'est quoi ton jeu Pokémon préf? En fait, c'est ça que je. J'ai lancé ce défi en se comprenant que je n'ai terminé aucun jeu. Et que j'ai. Comment ça s'appelle déjà? J'ai fait, parce que c'est un fan game aussi que j'ai fait, parce qu'en gros j'ai du mal à trouver des Pokémon en mode normal et facile à télécharger. Parce que du coup, bah moi j'ai pas de DS, j'ai rien, j'ai que sur. Je fais que sur émulateur. Donc voilà. Donc en vrai, je dirais. Sur les gameplays plutôt que j'ai vu, parce que du coup j'ai pas terminé le jeu, ce serait la nouvelle version qu'ils vont faire là. J'ai plus la honte. Celle-là qui représente Paris et qui ils ont annoncé un truc pour le nouveau jeu qui vont sortir dessus. Mince. Je sais qu'il y a Grenousse, l'autre avec son bâton pour le feu. What, ma connaissance sur Pokémon est vraiment très minime. Bah en fait je connais bien les trucs, parce que juste les prénoms, les noms d'attaque, tout ça, je suis pourri. Ok. Oh non. Oh non. Bon bah je vous présente mon Pokémon. Je vais devoir mixte. Mais si t'as pas tu pas. Super. Ah. Épée bouclier. Non, pas du tout. C'est attends. Mais Grenousse. Il est dans quel. Paris, Tour Eiffel. Attends. Grenousse. Okay. C'est écarlate et violet. Voilà. Mon préféré, c'est écarlate et violet. Je l'avais vraiment pas fait, ça me dinguerait. Écarlate. Voilà, je vérifie quand même, mais normalement c'est Karate Violet. Ouais, non. Non, c'est pas Karate Violet, je me trompe. Grenousse. Attends. Donc c'est la 6ème génération. C'est la G6. Et il veut pas me dire. Voilà, où il y avait Marisson aussi. Et Fennec. Grenousse a une Pokémon du type. Voilà, XY. Je vais y arriver. J'ai réussi. Après 3 heures, XY. Bon, allez, j'ai attrapé mon Pokémon pour pouvoir le mixte. Bon, bah, c'est pas. J'aurais peut-être pu avoir mieux avec lui, mais c'est pas grave. Ok, je vais pouvoir le mixte. Hop. Non, attendez, je vais attendre d'arriver au village pour pouvoir me soigner, parce que sinon je sens que je vais me faire karma. Et qui va me le tuer parce que ça va. Moi perso, c'est noir blanc. Ouais, ouais, c'est vrai qu'il est pas mal aussi. Mais j'ai vu juste des gameplay bah, de XY, de Omega et là où il y a Groudon. Et ça, j'ai vu aussi. Mais noir et blanc, j'ai pas vu un gameplay entier. Je parle pas du mix, hein, mais très, très spécial le mix. Hein. Alors. On va pouvoir les mix une fois qu'ils sont soignés. Hop! On va avoir notre premier mix. Bah, premier.
façon de parler. Dans le mix de cette septième manche. C'est fou ça, quand même. Hop, hop, oui, j'ai envie de dire. C'est parti. Ok, il n'y a pas de... Donc je rappelle, si c'est en gris, c'est qu'il n'y a pas de mix fait par des créateurs, c'est que des IA, l'IA du jeu. Et si c'est en vert, c'est que c'est un créateur. Je prends toujours en priorité celui-là qui a été créé par un créateur. Mais quand il n'y a pas, bah, je fais le choix stratégique. Donc, grâce... je pense que le premier, c'est le meilleur. Moi, bon, c'est ce qui me paraît le meilleur. Je sais, j'ai vu du gameplay. Ouais, non, t'inquiète, après, je t'explique aussi pour la rediff, parce que du coup, je remets ça sur YouTube après. Donc, même si là, avec toi, après, je pense aussi à la rediff, ou genre de rediff. Mais voilà. Et j'avoue, c'est habituel, parce qu'il n'y a pas grand monde sur mes lives d'habitude, donc j'ai toujours expliqué au cas où si sur les rediffs. Ouais, j'ai pas parlé du mix, hein, mais qui est dégueulasse, hein. Je préfère ne pas m'y arrêter, hein, voilà. Je préfère avoir un Pokémon très joli, comme j'ai pu avoir auparavant, ce qui n'est pas le cas pour là. Alors. Boost the Pokémon Spin, allez, neutre. Direct, ça, sans hésiter. Alors. Splotch. Là, c'est un investissement sur l'avenir. Oui, ouais, c'est ça. C'est ce qu'il faut se voir. On va voir ça comme ça. Donc, vas-y, il faudrait échanger avec ça. Attends, lui, c'est quoi dire ? Ça va, target face à King is accuracy. Ah oui, je suis nul aussi en anglais, donc il y a beaucoup de fois où je prends mon téléphone pour pouvoir traduire. Bon, c'est rapide, hein, parce que j'utilise un traducteur photo. Alors, l'utilisateur restaure ses HP, la quantité de pré... Ok, en vrai, vas-y. Ça absorbe, je le garde, même si en soi je vais avoir... Ouais, si, en vrai, le Pokémon, genre avec... quand il va avoir Mega Sensu, ça va être fort. Visuellement, non. Mais le but aussi, c'est de terminer. Je sais pas forcément d'avoir le meilleur mix, même si bon. Très clairement, Rash, c'est un peu nul à chier, hein, soyons franches deux secondes. Hein. Allez. Donc, je vais voir. Attendez, je vais voir. Donc, j'ai le droit de choper un Pokémon par zone. Donc, là, je fais la route 1. La route 1, je chope qu'un seul Pokémon parce que je le mixe avec mon starter. Et après, les deux zones, j'en chope deux par zone où je les mixe forcément ensemble. J'ai 6 Pokéballs, donc je prévois, je sais que je vais choper un Pokémon à gauche, un Pokémon en haut au niveau de la route 2 et encore en haut au niveau de la forêt, donc j'achète 3 Dena. Est-ce que j'achète un Dena pour le prochain, les deux prochains que je chope et j'achète plus de Pokéballs? Et limite, quitte à... Ouais, mais non, mais parce que le problème c'est que si je les fusionne pas, j'ai pas le droit des XP, donc si je me retrouve sans Dena, c'est un peu chiant. Ouais, ça me laisse de quoi acheter quand même pas mal de Pokéball. Ouais, ça permet d'avoir 10, donc au moins j'ai dans le home ball, c'est le pit qu'il me faut. Nickel. Donc c'est parti, donc je vais pas commencer par la zone de goût parce qu'elle est beaucoup trop. Je vais un peu m'XP. Non, je vais un peu m'XP, ouais. Oui j'ai peur, je me suis beaucoup trop fait one shot par des dracorages. Franchement, si je vois un Pokémon, je suis sûr d'un dracorage, je me casse. Mais le problème c'est qu'à chaque fois c'est les Pokémon que je dois choper qui ont dracorage. Donc je peux pas vraiment fuir. C'est ça qui est embêtant en fait. C'est que bah si je fuis, bah je me trouve Ah super. Allez, on va faire ça. Je le monte. Ok, tacle. C'est plutôt fort, tacle en vrai. Après, ça peut être fort, mais surtout pour le. Du coup, ouais, allez, hop, on change par ça. Ok, ça devrait facilement être plié. Ah, en vrai. Vas-y, je vais m'équiper plutôt en haut sur la route 2. Bah oui, mais je suis obligé de choper le premier. Bon, bah. C'est pas... En vrai, la route 2, normalement, ils sont pas. Très fort à part si je tombe sur un Pokémon d'accrochage.
Vas-y, alors là on est route 2. C'est parti, mon kiki. POV Dialga. Tu sais que j'ai eu Dialga la dernière fois? Non, non, dis-toi que la dernière fois j'ai eu Dialga, j'ai réussi à l'attraper. J'ai dû sacrifier un Pokémon, mais j'ai réussi à l'attraper au 4 Pokéball, je crois. Donc, dinguerie. Je m'y attendais pas du tout parce que d'habitude, bah, c'est super galère d'attraper. Bah, j'ai pas réagi, mais trop bien en fait. Un starter, nickel, j'ai envie de dire. Un starter, on est d'accord, hein. Oui, c'est un starter, oui, c'est bon, je l'ai. Pingouin Lion! Bah, là, c'est pas Pingouin Lion, mais c'est son évolution Pingouin Lion, mais voilà. Alors. Je le one shot, jamais je le one shot. Ok, je ne tenterai pas la dernière attaque parce que je sens le petit coup critique, hein. Qui ne va pas bien. Voilà, ça va être. Oh waouh, ça va être une galère. Ok, l'avantage c'est que j'ai cette attaque que j'ai gardée qui va me permettre de pouvoir. Voilà. Ça c'est bien cette attaque, franchement elle est incroyable. Pour moi, le pire starter. Ouais, c'est pas. C'est sûr que c'est pas vraiment le meilleur. Mais en fait, les starters restent quand même des bons Pokémon comparé à d'autres qu'on pourrait attraper. Tu vois ce que je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Genre, c'est pas un mauvais Pokémon non plus si je peux comparer à d'autres que j'aurais pu attraper. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Bon, je vais garder. Non, pas sûrement. En vrai, pas sûrement, parce que t'as envie que je leur donne des surnoms, n'hésite pas. je vais me soigner, même si je sais qu'il est presque full vie. Voilà, je préfère au cas où. Bon, on va voir avec qui je mixe. En comptant que je fais pas de double mix. Ah, mais à chaque fois, je me trompe. Je fais deux fois. Je fais pas une double fusion, même si je pourrais, hein, soit. Si je retombe sur lui, de faire une double fusion, mais je préfère que ce soit deux Pokémon différents. Je trouve ça mieux. Voilà. Allez, c'est parti. Oh, un vieux renne. Bon, là, très clairement, je peux. Hop. Tu aurais pu tomber sur Wistikram ou sur Poussifeu. Donc, pour moi, Tiplouf, c'est nul. Oui. Oui, mais sur le nombre de Pokémon qu'il y a actuellement, c'est pas. C'est pas comme ça que ça joue, j'aurais pu aussi tomber sur. Je sais pas, sur un Chrysalide. Par contre, je parle, hein, mais. Il est en train de me faire très mal, le coco. Oui, non, mais c'est sûr. Bon, et en vrai, ça va pas être le mix le meilleur du monde, hein. On va pas être sur une masterclass, hein. Oh, vas-y, c'est bien. Hop. Non, pas besoin de surnom. Bon, bah, Golimix. Golimix, mais Coco. Hop. C'est bon. Est-ce qu'il y a pas. Hop, ça partit. Alors, bon. Je m'attends à une masterclass. À moi, franchement, ok. Tiens, je te laisse choisir. Tu veux que je prenne celle de gauche ou celle de droite? Celle de water normal ou normal water? Vas-y, je te laisse choisir. Je te laisse choisir. Ça sera ta responsabilité de visuel. Droite, ok, vas-y. Oh, je sens qu'on va. Qu'on va rire, hein. C'est parti pour le mix de l'enfer. Je sais pas quoi y penser. Ah ouais, en tout cas, il est pas beau, hein, ça je sais que je peux penser. Il a une tête de quelqu'un. Genre, je suis sûr que quelqu'un dans la vie a déjà ressemblé à cette tête, tu vois. Genre, tu vois, il a envie de mourir. Je pense. Je pense franchement qu'il aime pas vraiment sa vie. C'est un Pokémon qui aurait préféré ne jamais naître. Bon, bah voilà, hein, notre magnifique Pokémon. Mon dieu. Mon dieu, mon dieu, mon dieu. Ne regardons pas The Pokémon Canon. Thème. Power, Water. Pfff. Ouais, allez, vas-y, on va faire ça. Non. Non. J'ai pas vu c'était quoi le.
Le passif, mais c'est pas grave. Hein. Je peux pas retourner en arrière. Je connais pas touche pour autant. Alors, il a mais. D'accord, il a une attaque métal, vas-y. Bubble. Ok, bon, vas-y. Moi, j'apprends toujours que les attaques. Parce que, en vrai, j'aurais aussi à prendre les autres attaques. Bah, des autres trucs, même si c'est pas des attaques. Mais parce que j'aime bien avoir tous les types d'attaques possibles. Après, ça, c'est pas des attaques de fou. Bon, là, maintenant, le problème, c'est les starters, j'ai peur. Oui. J'ai très peur aussi. Alors, je vais aller me soigner et je vais aller voir la forêt au-dessus. Parce que c'est on va dire le niveau suivant, parce que là, le niveau à gauche, il est quand même bien plus élevé. Surtout que pour choper des Pokémon à gauche, il faut que j'affronte un dresseur. Et j'ai très peur du dresseur. Parce que, à tout moment, c'est le Masterclass, au contraire, qu'il soit assez haut level. Donc, je préfère m'XP avant. Donc, je vais choper l'autre avant d'XP mes Pokémon. Tu l'as tout en haut. Et une fois l'avoir chopé, on va pouvoir commencer à XP avant d'aller sur la zone de gauche. Allez, c'est parti. J'en profite pour récupérer. Putain, d'habitude, j'arrive pas à fuir autant. Alors, premier Pokémon. Wow! Bien, bien. En vrai, bien, bien de fou. Jamais je le tue avec ça. Ok, mais je suis débile en fait. Mais si, tous les jours tu peux le tuer avec ça, mais je suis débile. Mais en fait, j'ai inversé les types. Je suis passé à ça la catastrophe. Je suis passé à ça d'avoir un Pokémon. Parce qu'il faut savoir que là je dois attraper. Ne jamais dire jamais oui. J'ai eu tellement peur. Ah mon dieu. Et oui, surtout que bah, si lui je le tue. Oh, certes, j'ai un autre Pokémon attrapé dans la zone. Mais comme je peux pas le mix, je pourrais pas l'utiliser. Et donc par conséquence, le Pokémon de zone c'est mort. Même si je peux attraper un deuxième quoi. De toute façon, tu connais, mais je t'explique ça pour la rediff. Bon, allez. Oh, hey, tu vas pas faire ton capricieux là, hein. C'est bon, je peux pas descendre plus bas là. Franchement, je peux pas faire mieux. Hein. Il me fait peur à faire plein de trucs de préparation d'attaque. Un Pokémon de zone et la mort est définitive. Oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Oh non, j'aime pas ce qu'il est en train de faire. J'aime pas ce qu'il est en train de faire parce qu'il s'est beaucoup boosté, je trouve. Alors, ça se trouve, c'est juste parce qu'il a pas d'attaque, tu vois. Non, mais je vais pas arriver à l'attraper. De toute façon, je suis obligé, donc je vais tout mettre. Hein, voilà. Non, c'est une dinguerie. Merci. Bon, il va falloir que je trouve des dresseurs pour pouvoir me faire du fric pour pouvoir acheter d'autres Pokéballs. Parce que là, je suis un peu dans la merde. Parce que j'ai pas beaucoup de Pokéballs en fait. Alors, Fairy. Ouais, vas-y, vas-y, l'attaque fait. On ne crache pas dessus. Hein. Ah ouais, bah cette attaque-là, elle est trop forte en fait pour choper des Pokémon, je trouve. Genre vraiment, comme ça, je me sou... Je balance les Pokéballs et je me soigne quand c'est... Sauf que Absorb, c'est bien, après, je vais éviter d'avoir la version au-dessus, mais ça, c'est fort aussi. Pour attaque, c'est peut-être l'attaque qui mérite le moins... sa place. Ah bah, forcément, tu proposes... Ouais, non, allez, hop, j'ai dit... Un Pokémon, ouais... J'allais relire le message que tu m'as déjà envoyé tout à l'heure. Alors. Oh. Ah oui, ok, j'ai les versions. Mais après, je vais prendre la version. Ah, j'ai aussi ces versions-là. Ok. Bon, vas-y, je vais prendre cette version-là, la version que tu me proposais. Non, pas besoin de surnom. Parce que là, on est d'accord qu'actuellement, en termes de. De Pokéball, j'en ai 4. Ah ouais, short de fou. Essaye de reverse ton Crocodile pour voir. Ouais, mais ça me coûte super cher en fait. Le problème c'est que. Comment dire? Je n'ai pas encore de Dina inverse. Pour l'instant, j'ai le droit que aux Dena qui me permettent de démixer, mixer. Donc c'est-à-dire que j'ai besoin de deux Dena pour pouvoir l'échange en fait. Et comme j'ai pas beaucoup de fric actuellement et que j'ai besoin forcément de Dena, les Pokémon que je vais attraper, je peux pas me permettre. Mais par contre, ouais, dès que. De toute façon. Normalement, il va durer un peu longtemps comme ça, mon starter. Vas-y, je le ferai. Mais quand j'aurai un peu plus d'argent. Parce que là, déjà, j'ai plus d'argent pour, pour pouvoir choper le Pokémon de la zone suivante. Donc là, j'avoue que l'argent va
va partir en, dans les Pokéballs. Hein. Bon, déjà, je sais que là, j'ai un dresseur. Il est pas très très fort, mais... Vas-y, ça fera toujours un dresseur de plus. Qui va me donner du frec. Ok. Je sais pas pourquoi j'ai fait cette attaque. C'est vrai que je pourrais switch pour essayer aussi de d'XP les autres Pokémon. J'ai pas pensé. Faut vraiment que j'XP les autres parce que là j'en ai XP un seul, c'est bien beau. Je veux pas. Elle va rien me donner cette. Faut que je mette les autres devant en fait pour qu'ils puissent XP. Allez hop. Et à tout moment je suis tombé sur celui-là, mon Pokémon. Alors, ok, bon. Je sais pas qui. Attendez, je vais choper ça déjà. Il y a une potion, j'aurais pas fait une Pokéball, franchement. Je vais. Allez. Je vais. À tout moment, je regrette. Niquer niveau 7, ça va. Oh! Grave stylé! Rien à voir avec ma team. Allez, je déglingue. Donne-moi du fric, donne-moi ton argent. Gosse. Oh, il m'a donné une Pokéball. Incroyable. Je ne peux pas aller là parce que sinon je serais obligé de choper le Pokémon. Donc vas-y. Vas-y, je préfère d'abord attraper le Pokémon de la zone au-dessus. Attends, je vais parler à tout le monde. Ça se trouve, à tout moment, quelqu'un me donne des trucs. Non. Bon, et le mec tout à droite au niveau de l'arène, lui, il veut juste me dire... Oui, mais non, mais il n'est pas encore là. Revenez plus tard. Allez. On va partir avec 4 Pokéballs. Attendez, non, je vais regarder si je peux acheter d'autres Pokémon, mais je crois que je peux pas, j'ai pas assez de fric. Ah! Je me suis vraiment pris le mur. Pokéball, j'ai de quoi m'en acheter une autre. Ok, bon. Je me retrouve avec 5 Pokéballs, logiquement. Si je sais compter. Non, 6. 6 Pokéballs, donc j'ai envie de dire, c'est parti, mon kiki. Espérons qu'on ait un Pokémon très bien, mais qui veut se choper aussi très vite. Et que je me retrouve pas dans la muerte à ne plus avoir de Pokéball. Ah oui, je n'ai pas le droit d'attraper les Pokémon mix. Aussi, donc là c'est un Pokémon mix, donc je le prends pas. Je prends que les Pokémon qui ne sont pas mix. Le mec dans le market parle lui. Ah, le deuxième! Ah, et même, ok, d'accord, ok. Vas-y, vas-y, vas-y. Ou le deuxième mec, ou non, tu veux dire peut-être le mec qui était en train d'acheter des trucs là? Attends, vas-y, j'y vais. J'y vais, j'y vais. Alors, il y a soit il y a lui. Attends. Attends, il vient de me donner un Pokéball là? Ouais, attends. Mais j'en fais quoi? Attends, parce que j'avoue que j'avais pas prévu les règles, comment je fais, parce que, pas mixer avec lui, mais c'est un peu nul en comptant que je compte. Qu'est-ce que je fais? Ou non, si, je sais ce que je me dis. Je me dis que le. Parce que je sais que c'est pas le seul Pokémon que peut avoir. Le prochain Pokémon que j'ai de cette façon-là, je le mixe avec lui. Donc lui, pour l'instant, je pourrais le laisser dans le PC en fait. Je sais pas si. Ouais, je pense que ça peut être un bon truc. Attends, il y a l'autre mec là, je sais pas s'il me. Non. Et le deuxième, parce que je sais pas, je parle à un, mais je crois qu'ils disent pas la même chose. Ah! Attends. Bon, il n'y a rien de. Rien qui me soit utile pour l'instant. Attends, par contre, est-ce que je peux peut-être vendre. Non, bah j'ai rien. Attends. Ah, ça non, je vais pas vendre. Ça non plus. Non, non! Ah non, c'est bon, j'ai cru que j'avais. J'avais vendu. J'ai trop peur. Non, bah ça, je vais pas vendre. Ouais. C'est Magikarp, le prochain, je crois. Ouais, mais là, c'est en aléatoire. Là, c'est. C'est. Tout est aléatoire, en fait. Même les. J'ai tout mis aléatoire. Donc, même lui, je. Mais oui, je vois, ça sera dans la prochaine. La prochaine ville. Donc, attendez, je vais juste le mettre dans mon. Mon PC, en attendant.
Déposer lui. Ok, super. Hop, et je vais juste, voilà, comme d'habitude, ça nommé par un nom glamour. Deb. Salut, Gélis. Tout. Merci. J'espère que je n'ai même pas. Merci d'avoir commencé à m'avoir suivi. Pareil, bah, Maxence qui l'a plus tout à l'heure, merci de me suivre. Merci. Tu pourrais faire une fusion. Alors, si tu veux, je peux te montrer mes fusions parce que pour l'instant, je n'ai pas de Pokémon à fusionner. Mais si tu veux, je peux te montrer. Alors, j'ai ce magnifique fusion qui est mon starter avec. Un autre, je te laisse deviner, c'est un petit jeu. Qu'est-ce qui fait très peur. Et j'ai lui hein, qui est très joli aussi. Hein. Franchement, on est sur un Pokémon magnifique. Hein. Mm-hmm. Le décès se voit dans ses yeux. Hein. Franchement, la vie n'est pas une priorité dans sa vie. Voilà, et lui, bah, je vais le mixer avec le prochain Pokémon que je vais attraper. Donc si tu restes un peu, je vais pouvoir... Tout simplement, je vais pouvoir faire un mix si j'attrape le prochain Pokémon. Et dans la forêt, il y a des champignons. Attends. Ah! Mais je décasse ça. Et dans la forêt, il y a des champignons que tu pourrais récupérer et ça rapporte de la monnaie. Ok, super. Bah vas-y, Granivol et le crocodile rouge. J'ai oublié son nom. C'est crocodile. Non, pas du tout. J'ai vraiment dit juste crocodile en anglais. Non, je sais plus. Bon, je crois que c'est crocodile. Je crois que c'est vraiment. Vraiment, ça commence par crocodile. Hein. Ouais, tu parles de ce champignon là. Vas-y, je vais me faire match de thune avec ça. Hop. Limite, je... Ah mince. Bah ça sera être lui. Oh. Oh, j'adore ce Pokémon, c'est une dinguerie. Oh, je suis trop content. Oh, faut pas que je le tue. Faut... Ah, mais j'ai trop peur qu'il meure en fait. Oh, je m'en bats les couilles s'il meurt en fait. Lui, il est moche, il est nul. Allez, me fais pas une attaque de fou. C'est juste que j'ai peur que tu... Ok. Ok. Tacle, jamais un tacle. Quoi. Ok, je ne tente pas parce que j'ai trop peur du coup critique. Crocodile, c'est le nom du crocodile rouge. Ah oui, c'est ça, crocodile. Crocodile. Ok, je vais re-switch de Pokémon. Ah, ou je retente une attaque. Non. Je vais re-switch lui qui va pouvoir beaucoup plus tanker. Voilà, tu vas pouvoir tanker. Et là, je vais spam et je vais prier. Je suis trop content. J'adore ce Pokémon. Ça fait partie de mes évolutions préférées d'Evoli. Voilà. Je suis trop content. Incroyable. Ah, comparé à la déception tout à l'heure. Je suis trop content. Ah, je suis à fond. Alors, on va voir les différents sprites qu'il nous propose. Là, c'est là où ça crache. Bon, je pense que je vais juste prendre la version... C'est vrai qu'ils sont très jolis. Ouais. Ah, j'avoue qu'ils sont très jolis. Mais vas-y, je vais prendre cette version-là. De toute façon, je fais des mix, en fait. Ça va changer, en fait, au mix. Je sais pas pourquoi je m'embête. Non, pas de surnom. Enfin, si vous voulez dire un surnom, n'hésitez pas. Hein. D'ailleurs, si vous voulez mettre un surnom au Pokémon... Alors, là, je vais faire... Wow. Je vais aller soigner et je vais faire le mix dans le mix directement là. Hop, on va faire le joli mix après les avoir soignés. Attends, du coup, tu le fusionnes avec qui? Avec le Gravalanche. C'est comme ça qu'il s'appelle. C'est Gravalanche, on est d'accord. Hop. Avec le Gravalanche qui est aussi un bon Pokémon. En fait, c'est deux bons Pokémon là, je suis très content. Grolem. T'as raison. Grolem. Je suis tellement de Pokémon, c'est une dinguerie. Allez, bon, à mon avis, il n'y a pas de mix entre deux mixtes. Incroyable. Enfin, alors, je vous. Les deux personnes qui sont sur mon live, à votre avis, je prends lequel? Je m'attendais pas à avoir des mix en vrai. Parce que ces deux Pokémon, je pense qu'ils sont appréciés, tu vois. Mais je m'attendais pas que les deux ensemble soient. Je sais pas lequel prendre en fait. Stratégiquement, c'est quel qui serait le meilleur? Je vais regarder si... bah, où ils étaient pas à me dire aussi, mais je sais plus c'est lequel qui a le moins de faiblesse. Après, je sais
pas, je sais pas. C'est qui a le moins de faiblesse entre les deux? Droite. Vas-y, je te fais confiance jusqu'à là. Je te fais confiance, Maxence. Je te fais confiance jusqu'au bout. Non, faut sûr, normalement, c'est bien. Normalement, c'est un créateur. Donc, normalement, c'est bien. Il est à mourir de rire. Ah oui, d'accord. Ah oui. Bon, bah, on a. Purple Girls. C'est, vous savez, les foufous là, qui sont beaux, les Purple Girls, ça me fait penser un peu à ça, vous voyez. Je, vraiment, quand j'aurai beaucoup d'argent dans le jeu, je ferai. Si je perds pas, je ferai un reverse. Les sprites, je sais plus comment on peut avoir accès aux sprites. Je sais pas avec contact with the Pokémon may cause unfactuality. Ouais, j'ai mon at. Ah, je sais pas, je baisse quoi, je baisse quoi. Tu peux l'appeler Grognif. Bon, ah, vas-y, je vais s'en aimer comme ça. Vas-y. Je sais pas quoi baisser parce que dans tous les cas, c'est la speed qui monte. Sauf que j'ai la flemme de baisser l'attaque, mais pas très stratégique de baisser la défense en comptant que. Bah, en comptant que le but quand même du truc, c'est qu'on survive même à des grosses attaques. Donc d'habitude, je fais toujours priorité à l'attaque. Mais là, je change de stratégie comparé aux autres fois où j'ai perdu. Hein, d'où le fait qu'on soit notre. Que je sois ma 7ème game. Je vais prioriser la défense en me disant que ça va être plus stratégique pour survivre. Je vais combiner les 7. Alors. Défense cursive, rock. Vas-y, hop. Ok, donc je vais le sur. Non. Ça propose des mix. Non. Pokémon, tac, nickname, rename. Et donc, tu me proposais. Grognif. Ok, super. Alors, comment on voit les. Switch. Switch, nickname, summary, item. Tu vois, je sais pas comment on peut. Give item, view Pokédex, marque. C'est quoi marque? Ok, bon, pas grave. Je sais pas comment on voit les autres. Les autres sprites. Donc, je ne pourrais pas te dire. Au PC, ok, super, merci. Ça tombe bien, on y est. Pokémon Store. Donc quoi, je vais sur ça. Déposer Pokémon, je clique sur quoi là? Non, ça c'est retour en arrière. Ça doit être pas là. Ça c'est quoi ça? Item Store, Mailbox. Oui, je. Bon, y a. Oui. Oui, ça, c'est mes items. Genre, il faut que je les dépose dans le PC, peut-être. Genre, je fais dépose. Store. Non, je vais pas faire dans le dead, il est pas mort, lui. Puis je fais organiser. Hop. Move, summary, une folle, nickname, oui. Je suis nul en anglais, en plus c'est une dinguerie. Genre là, tu veux que je fasse quoi entre tout ça? T'es sûr que c'est la. Une fuse, ah! Ah mais non, mais là c'est le. Ah non, là c'est pour le. C'est pour le démixer.
Ouais, vas-y, je sais pas, on verra une prochaine fois. Vas-y, par contre, je vais le remettre dans mon. Dans ma team! Voilà, on a une sacrée team maintenant. Ouais, une sacrée team. On va dire ça. Oui, si j'étais sur le bon truc. Voilà, nickel. Alors, on a notre TM. Donc, le prochain endroit pour pouvoir choper, c'est à gauche. Sauf que le problème, c'est que j'ai pas assez de Pokéball. Donc, je pense que je vais rush le village de dessus. Parce que le village de dessus me permet d'avoir des combats avec pas mal de dresseurs. Ce qui me permet d'avoir de l'argent. Et ce qui me permet de pouvoir avoir des nouvelles Pokéball. Parce que là, j'en ai vraiment très très peu, voire presque pas. Donc, je vous propose qu'on rush ceci. Ou vendre les champignons. Ah mais oui, vendre les champignons, t'as raison. Mais je suis nul en termes de en termes de stratégie. Mais oui, bien sûr, bien sûr. J'y avais pensé, tu vois, j'y allais y aller par moi-même. Bon, c'est pas du tout toi qui, c'est pas du tout grâce à toi que je vais le faire. Les champignons. Ouais, bon après ça me permet de choper là, en comptant que Pokéball ça coûte 200, je vais en avoir une. C'est largement pas assez en comptant que j'ai... J'en ai 4. Oh, ouais, mais j'aurais pas l'argent pour choper les deux. J'aurais pas l'argent pour choper les deux. Donc vas-y, je remonte là-haut. Je fais XP et l'autre d'ailleurs. Je suis Pokémon. Très clairement, j'ai envie que lui XP avant. Donc, tiens, switch. Je sais plus quand on a le multi XP parce que j'ai pas randomisé les objets parce que j'avais besoin en fait du multi XP. Ok, ils veulent vraiment qu'en fait que je retourne en bas en fait. Vas-y. Hein. Pourquoi j'ai fait ça moi, je suis débile. Vas-y, on switch. En fait, faut que même si c'est un niveau 3, j'en ai pas les couilles. En fait, il faut juste que je switch comme ça. Hop, je one shot, c'est fait. Hop, le 3 soit équipé, c'est nickel. Alors, j'ai trop peur parce qu'il faut savoir que de nombreuses fois, lui m'a déglingué la gueule avec des dracorages. C'est pas forcément qu'il était trop au niveau, c'est juste que bah, dracorage. Après, je sais que dans le jeu, il y a un jardin secret où tu peux trouver un œuf, mais je sais plus où c'est. Je sais où c'est. Mais j'ai pas le. C'est juste pas loin, et je sais qu'il y a un œuf. C'est dans cette forêt là. Le problème c'est qu'il faut avoir tranche herbe. Ou en tout cas le truc qui permet de couper les plantes et que je n'ai pas. Donc de toute manière là je. Donc je fuis. Si je vois un Pokémon Dracorage, je fuis. Ok, donc déjà, première étape, je vais switch de Pokémon. Et je vais faire Absorb pour reprendre un peu la. Ah bon bah il est pas type haut, ça c'est sûr, hein, même s'il est. On aurait pu croire. Ok, premier Pokémon. Non, non. Je sais pas quelle attaque j'ai remplacée. Ça c'est moi, voilà. Je vous présente moi. Qui clique trop vite. Parce que si mon pire ennemi c'est moi actuellement dans cette... Voilà, je reprends lui. Lui, l'autre con, là, je ferai l'XP plus tard. Ouf, ça pas de courage ça. J'ai vite le savoir, j'ai envie de te dire. Non, ça pas de courage ça. Non, jamais ça marche, absorbe. Pour moi, ça marche tout le temps, j'ai envie de dire. Hein. Moi, ça me permet de pas perdre de vie. Surtout avec les dégâts qu'il me fait. Ok, j'ai trop peur du dernier. Allez, ok. Putain, pour une fois que j'ai pas eu un Dracorage sur celui-là, vraiment je crois que deux ou trois fois j'ai eu un Pokémon qui a Dracorage sur ce dresseur-là. Ok, alors lui, il rigole pas par contre. Ok. Super. Bon, j'ai. Ah. Oh, vas-y, ça me. Baby Doll. Après, Baby Doll, ça sert à quoi? Ça
Je vais chercher mon traducteur. J'ai pas envie de me précipiter et de faire des erreurs stratégiques. Franchement, j'ai un peu la flemme. L'utilisateur regarde avec ses yeux de pompée, ce qui réduit la statistique d'attaque de la cible va toujours en premier. Ouais, vas-y, c'est pas très utile. Ah, ça par contre, ça c'est pas mal, une attaque insecte. Faut juste que je regarde contre qui j'inverse. Donc, est-ce que c'est Rock Polish? Ok, il utilise son corps pour réduire la traînée. Cela peut augmenter considérablement la statistique de vitesse. L'utilisateur se couvre de boue, cela affaiblit les mouvements de type électrique pendant que l'utilisateur est dans la bataille. Vas-y, je pense que c'est lui qui me donne mon avis. Alors, super. Est-ce que tu me donnes quelque chose? Oh, merde, j'avais pas compris ça. Non. Run. Oui. S'il me dit que je veux pas run, je pleure. Ouf! Oui, parce qu'il faut savoir qu'on peut refight. Bah, toi, ça va, Maxence, mais toi, pour ceux qui sont. Alors, on peut combattre plusieurs fois des Pokémon, comme j'ai dit dans l'épisode précédent. Sauf que leur niveau augmente, ils sont plus difficiles à battre. Ce que je ne veux pas très clairement faire pour l'instant, j'ai trop peur. Je me suis pas expliqué. Et oui, du coup, le jardin secret, il est par là-haut. Je vais te le montrer dans l'autre sens parce que ça va être mieux. Et ça va me permettre d'éviter de perdre du temps. Ah ouais, les champignons, merde, il faut que je chope les champignons. Il faut vraiment que je pense à choper les champignons. Bon, en vrai, maintenant, il peut s'en sortir tout seul, j'ai envie de dire. J'ai envie de dire, il peut s'en sortir. Donc, retour en arrière. Non, pas toi. Faut vraiment que je chope tous les champignons pour me faire un max de fric. Surtout que, bon, comme on est en mode rapide, ça va. Toutes les champignons. Oh non! Oh, fais chier. Bonjour. Non, oh, bah, il va vite rattraper l'autre. Hein. Super. Allez, hop. Je vais limite monter là aussi pour voir s'il y a des champignons par là-bas. Non mais non, ça j'ai fait par rapidité mais comme un... Parce que ça c'est fort contre lui, non c'est pas très fort. C'est mieux l'autre attaque. Il y a des pokés, il y en a... Non par contre ça... Non mais... J'en ai marre, je vais trop rapidement en fait. Je sais plus ce qu'il me demande lui. Trop beau. Je pense que lui il veut ma mort. Hein. Wellord. Dinguerie. Non! Et regarde, tu vois l'œuf, là tu peux le voir. Ah, ouais. Je peux pas te poutrer avec le. Attends, si, je peux te poutrer avec la souris. Là. C'est là en fait. Et du coup, tu vois, là il y a les herbes et c'est au-dessus. Quand tu fais tout le tour, tu peux les choper. Alors, il y a peut-être d'autres jardins secrets, mais en tout cas, ça fait partie des jardins secrets. Je vais fuir très vite. Le combat. Ah, il y a qu'un seul Pokémon. Quel niveau? Quel niveau? Bon bah à la limite ça se trouve je vais avoir assez de d'argent avant d'arriver à...
Il était très joli. J'ai pas réagi, mais le mec, je le trouvais sympa en vrai. Il était sympa. Bon, je vais me soigner et je pense que j'ai. Je pense que je vais avoir très clairement ce qu'il faut pour choper les Pokémon. Et je verrai en fonction du premier que je chope si j'ai encore assez de Pokémon pour choper le deuxième. Dans la zone. Dans la route 22. Donc déjà, je vais soigner. Coup, je pense qu'en fait, le. Ouais, lui, il a rattrapé lui au final. Du coup, il y a lui qu'il faudrait que j'XP par contre. Voilà, hop. Et qui me permettra aussi de faire des dégâts assez rapidement, des petits dégâts. Bah, je crois qu'ils sont assez haut niveau des Pokémon à côté, donc c'est pas le problème. Celle. Donc, tac, ça, t'inquiète pas, je les mets, je les vends tous. Ça fait que 200? Ah oui, je suis pas riche non plus. vas-y, bête. Et vas-y, le Pokéball, hein. 3. Vas-y, ça m'en fait combien ça? Ça m'en fait. Oh, ça m'en fait 8. Si je suis 8, je peux au moins choper 1. Et si je chope le premier vite, en soi, ça peut faire pour le deuxième. Ça dépendra en fait de la vitesse où je prends pour choper le deuxième. Ok. Ah, je suis pas du tout haut niveau en fait. Ah, mais non, je les attaque pas avec des. Ah, mais je suis trop débile. Ça fait 0 dégâts. Bon, on a gagné lui aussi. Donc c'est nickel, je vais pouvoir. Waouh. Ah, j'ai augmenté mes dégâts. Ok, j'ai augmenté mes dégâts, je tombe pas. Ok, nickel. J'ai chopé assez vite en vrai. C'est excellent. Un type spect, oui, vraiment, vraiment. Là, je suis vraiment content. J'aime bien ce prime là. Donc, franchement, on est ok. Franchement, là j'ai pas des mauvais. Pas des mauvais. J'ai pas des mauvais Pokémon en soi. Bon, pas lui. En vrai, les autres, je trouve qu'ils passent plutôt. Vraiment, on est sur des bons Pokémon, les autres. Vraiment, ou des bons mix. Genre, même mon Cocorible et mon Granivol. Je trouve que c'est pas le Granivol, c'est un Pokémon, je trouve, avec le mix de Crocodile, devient fort. Parce qu'en soi, les attaques plantes qui peuvent être très fortes, comme Giga Sansu. Giga Sansu, c'est l'exemple qui me vient en premier, mais voilà quoi. Non, j'ai pas de nom particulier. Est-ce que je tente en comptant que j'ai 5, mais à tout moment, ça se trouve, je tombe sur un légendaire. Si je tombe avec un légendaire avec 5 Pokéball, ça va être short. J'ai vraiment pas envie de tenter. Surtout si je tombe sur un putain de Pokémon, ça se trouve que je suis tombé sur une merde. Hein. Mais j'ai la flemme de me dire que si je tombe sur un bête de Pokémon, j'ai pas assez que Pokémon. Vas-y, je vais essayer de leur parler eux. Nevermind. Advanced option. Fixed game. Fixed game. Comment ça? J'ai pas envie de répondre en fait. J'ai trop peur que ça soit. Ça me paraît trop. Lui, je suis sûr que je peux choper son. Ah! Ah bah non, bah jamais j'échange pour un Citifleur, un de mes Pokémon en fait. Bah. Jamais. Jamais. On peut peut-être s'arranger. On peut peut-être effectuer un échange quelconque. Il est revers. Reverse. Il est reverse. Comme ça, il est reverse. Comme ça. Tu vois pas ce que tu veux dire? Random, ah il est random, ah mais oui c'est vrai. Ouais mais en soi il est random mais c'est pas si mal que ça au final. Bah je veux dire, est-ce que je peux avoir pire que ce mix? En comptant qu'on a un Pokémon dans notre... On attente, qui attend d'avoir un deuxième Pokémon prêt à être fusionné, qu'on peut attraper de ce genre de manière.
Celui-ci électrique vol. J'ai pas de d'électrique. J'ai un vol. Oui oui j'ai un vol. Bah oui mon carnivore. J'ai un vol, mais je n'ai pas de type électrique dans ma team pour l'instant. Un type électrique peut toujours être positif, j'ai envie de dire. Ça peut apporter plus que ce que apporte ce Pokémon qui l'apporte peu. Bah si, il y a quand même l'eau qui l'apporte, mais l'électrique pas l'eau. Je sais pas. T'en penses quoi? Est-ce que je le fais ou pas? Moi, j'ai envie de le faire. Hein. J'ai envie de le tenter. Hein. Est-ce que je le tente? Je sais tellement pas si je le tente en vrai. J'ai envie. Oh, je tente. Ah, mais non, mais je peux pas. Faut que j'aie un Pokémon qui est fusionné. Parce que attends, qu'est-ce qu'il m'a dit? Attends, qu'est-ce qu'il me dit l'autre? Have you the Pokémon Spiron? Attends. Donc il faut que je désprite, mais sauf qu'après ça veut dire que j'aurais plus de fusion. Genre j'aurais plus de quoi fusionner en fait. Donc j'avoue que c'est une problématique parce que j'ai pas l'argent pour fusionner. Mince. Et ça veut pas traduire ça, je vais me péter mon crâne. Ah si. Avez-vous vu le Pokémon Spiron? Je l'échange mon ennemi contre ça. Ah mais faut un Pokémon en spécifique. Faut un Spiron. Oh oui mais jamais je le chope ce Pokémon. Non, j'avais air capté, j'avais rien capté. Je croyais qu'on pouvait juste échanger avec moi. Mais non en fait il faut échanger contre un Pokémon spécifique. Problème étant donné, c'est que je peux pas l'avoir. Bon. Allez. Allez. Est-ce que toi tu veux. Non, tu me donnes. Je vais essayer de te rattraper très vite. Ok. Vas-y. What? Mais. On se calme. Oui, ouais, voilà. On va quand même m'échanger, on va peut-être pas abuser. What the fuck? Ok, c'est très mal hein, le mien. Ok, donc là je sais qu'il y a le. Est-ce que je peux? Oh! Mais je savais pas. Ah oui, d'accord, je suis nul à chier. D'ailleurs, oui, il faudrait peut-être que je mette des baies à mes Pokémon. Je suis en train de penser. Ou les vendre. Faut mieux les vendre ou faut les mettre sur nos Pokémon? Ah, t'as le mystère, t'as la question. Qu'est-ce que tu me proposes? 2 potions? Super. Je vais pas aller par là, vous savez pourquoi? Parce que je sais qu'il y a mon rival qui m'attend. Oiseau. Ok. Allez. Je tente. En vrai, je crois que c'est bien. Premier degré, je pense que c'est bien. Ouais, celle-là. J'ai eu des boules. Hein, de. Parce que là, franchement. À tout moment ça passait pas le dernier coup. Super. Bon bah là je m'inquiétais de le choper, je l'ai chopé, incroyable, super. Je n'ai rien à dire. Bon eh, franchement je pense qu'on est de re de la partie. Sur la 7ème game, enfin. On a un début de game potable. Même si j'ai deux débuts de game potables, j'ai fait pas mal d'erreurs qui m'avaient fait peur pour des Pokémon. Genre je m'étais retrouvé avec 2 Pokémon alors que j'avais fait 4 à 5 zones. Là je me retrouve avec la totalité Pokémon, j'ai pas perdu un seul Pokémon. Ne parlons pas trop vite, j'ai envie de vous dire. Mais j'ai perdu pour l'instant que 5 Pokémon. Un seul, 0 Pokémon. Je me mélange. Ok, bah je vais pouvoir fusionner. On va pouvoir avoir une magnifique fusion. Magnifique, je sais pas. En vrai, ça reste des Pokémon assez connus. Mais pourquoi je vais utiliser une Pokéball, moi? Je vais pas bien, moi, dans ma tête. Alors. Ok, il n'y a pas de fusion. Moi, je pense que je vais prendre le Ghostfly qui me paraît mieux. En termes de. Pas de visuel, hein. Mais en termes de stratégie.
franchement, pour un truc d'IA, pour un truc normalement qui est d'habitude dégueulasse, je trouve que là ça va. Franchement, j'ai eu de la chance. Ah bah, j'ai pas vraiment le choix. J'ai pas vraiment le choix. Alors ça par contre si. Ok, super. Bon bah je me retrouve avec 4 Pokémon. Plutôt bien. Et je crois qu'on va aller battre le rival. Et ça va être le dernier truc. Il va avoir, ça va être le dernier fight avec ce combat, donc très clairement je vais mettre. Je vais pas essayer de faire l'équiper sur le sur notre rival. Hein. Je sais plus quel niveau il est en plus. Faut vraiment que je note les ces détails. Oh, vraiment je suis en train de là. J'aurais mis bien joué, jamais chopé un Pokémon. Dégage de ma vision. Allez, c'est parti. C'est parti. Oh! Ah, il est grave stylé! Ah, il est trop beau. Ah, franchement, trop stylé. Franchement, le niveau 7. Yes. Faisons un peu d'XP sur ce perso. Ah, mais oui! Je me disais, mais c'était un Steelix, c'était pas un. Mais si, en fait, il est là! Bon, je switch quand même, hein, mais c'était pas. Oh, j'ai envie que ce Pokémon là devienne mon gronifle. C'est un peu le main de ma team en fait. Bon, il a passé énormément de niveaux, mais ça c'est vraiment bien. Voilà. Merci, au revoir. Ouais. Oh, il m'a redonné un Dana Spinner, incroyable. Non, ça mais faut que je sorte un duel là. Voilà, arrête avec tes trucs là. Oui. Oui, je sais que j'ai pas le niveau pour. Je sais que j'ai pas le niveau, mais je viens voir si on peut me passer. Bon, là, c'est un PC. Oui, je sais. Ok, bon, je peux aller choper ici. C'est vrai qu'il faut peut-être que je retourne au village de base pour pouvoir voir si j'ai des items aussi ou des trucs à récupérer qui pourraient être plutôt cool et à vendre. J'ai parlé toi ou pas? Oui, j'avais déjà parlé. C'est vrai que dans les maisons, j'ai pas encore fouillé les maisons. Ah! Je sais qu'elle va m'expliquer des trucs. Ouais, non, c'est bon, là y'a rien à récupérer ici. Bonjour! Attendez, dans votre poubelle, vous avez rien dans votre poubelle? On peut interagir, donc ça veut dire qu'un jour il y aura peut-être quelque chose dans la poubelle. Mais il n'y a rien là. Bon, allez. On va se laisser pour. On va se laisser là, j'ai envie de dire. On va pouvoir se retrouver un prochain live. Mais là, ça va être la fin de ce dernière aventure. Bah, dernière aventure, n'importe quoi. Cette fin d'épisode, mais on va se retrouver pour l'épisode suivant, l'épisode 6. Même si là, on peut dire l'épisode 2 en soi, comme là, je reprends pour la 7ème fois. Mais pour une fois, je pense que là, depuis longtemps, ça a été un live positif où il n'y a eu rien de négatif. Bon, à part. Je pense que celui-ci. Pas celui-ci. Celui-ci. On peut lui donner un prénom assez drôle, hein, n'hésitez pas. Mais en tout cas, voilà, on a
on aura eu ce magnifique Pokémon. Très drôle, mais en vrai je l'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. On aura eu... Mais... Voilà, c'est comme ça que je vais l'appeler. C'est comme... Je vais l'appeler Mais. Et ensuite, ce magnifique Pokémon, notre starter qui... Voilà, un peu en plus. Et lui, franchement, qui est plutôt bien, franchement, cool, avec un bon type qui va peut-être m'aider par la suite. Donc franchement, c'est cool. Alors je propose qu'on surname lui et après qu'on... Tout simplement qu'on arrête là. Hein. Moi je vais écrire mec comme ça. Mais. Voilà. Non. Voilà. On a mais, Grognif. Et bah, il y a deux autres Pokémon qu'on peut peut-être surname si vous avez des idées pour les gens de la relive. Voilà. S'il ne meurt pas d'ici que je refasse un autre live et que vous postez des commentaires, bien sûr. Allez. Bon, en tout cas, c'était vraiment cool. On a fait un bon live. Je vous dis à plus. Bye bye. Ciao.